À côté des boutiques des multinationales de luxe occupant petit à petit Saint-Tropez, des hommes et des femmes continuent à exercer leur talent afin de conserver à Saint-Tropez son authenticité, son atmosphère, sa spécificité de village provençal, en un mot son âme. À Saint-Tropez, petit village de pêcheurs mythique du sud de la France, mondialement connu, des hommes et des femmes transforment avec leurs mains et avec dextérité la matière première. D'autres expriment leur passion et leur sensibilité par l'art. Ils nous font découvrir leur vision de la beauté et de la luminosité des paysages. C'est en se promenant dans les ruelles pleines de charme du vieux village que nous pouvons rencontrer ces artisans aux mains d'or. Allons à la rencontre de celui qui continue à perpétuer la tradition familiale de père en fils et peut-être bientôt de père en fille. Depuis 1927, cette maison chausse petits et grands, tropéziens ou non, mais aussi les grands de ce monde, des arts comme Colette, du showbiz comme Marlène Dietrich ou de la politique. C'est Alain Rondini, troisième génération, qui va nous faire découvrir la fabrication artisanale de la fameuse sandale tropézienne. C'est mon grand-père Dominique Rondini qui a quitté sa Toscane natale pour s'installer en Saint-Tropez en 1927. Dès ses 14 ans, a travaillé jusqu'à ses 80 et quelques années. Il est encore de ce monde et c'est lui qui a décliné le plus de modèles, créé et moi j'ai pris la continuité avec un peu plus de couleurs. Sa production, loin d'être industrielle, continue dans le petit atelier derrière la boutique où chaque paire est élaboré à la main. Robustesse et souplesse, sobriété et régularité des chaussures à lanières, professionnalisme de la maison ont fait et continuent de faire des Rondini la famille par qui la sandale arrive. Du monde entier, les commandes affluent et les sandales sont faites sur mesure avant d'être réexpédiées à leur destinataire. Et on a mis depuis 2 mois une boutique en ligne aussi. Que avant on recevait des mails, on prenait des cartes bancaires par téléphone, dans les mails et tout. Et là maintenant on s'est lancé boutique en ligne et on a gardé un peu notre touche artisanale puisqu'on a des tableaux de correspondance avec prenez votre mesure à tel endroit, au coup de pied, ceci, cela, pour qu'on cible un peu le pied de la cliente à l'autre bout du monde, oui, parce que... pour essayer d'envoyer ce qu'il faut dans la bonne pointure. Ce sont des peaux de première qualité, tannées à l'ancienne, à l'écorce de chêne pendant 12 mois dans les meilleures tanneries françaises, qui sont utilisées pour fabriquer ces sandales tropéziennes. Ouvert toute l'année, l'atelier prépare pendant la période calme de l'hiver les découpes nécessaires à l'assemblage des sandales en fonction des pointures et des formes pour les ventes en boutique de l'été. Il en est de même pour le choix des peaux et leurs couleurs. Les semelles sont d'abord découpées en une première semelle sur laquelle repose le pied, puis une deuxième semelle sous laquelle est mis le talon tenu par des pointes et non collées. On a découpé notre première là-bas, on l'a percé suivant le modèle que l'on veut, le Saint-Pierre, là, en noir. Et maintenant, cette sandale va attendre la semelle qui a mouillé toute la nuit. D'accord. Où on va la positionner, la coller en dessous. Et sur ces machines-là, on va faire toute la couture. C'est une vraie couture, c'est un vrai poincelier, puisque on coupe les deux épaisseurs de cuir, c'est pas une fausse couture. Comment faire joli, c'est d'accord. C'est utile.
sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Love me now. Les semelles sont cousues et finies par verrage. Rainy days never say goodbye to desire when we are together. Olivia Zarka, je l'ai eu au téléphone, c'est une vieille cliente et elle habite Londres maintenant. Ouais, point de témoin. Oui. Bon, ben on a du travail, encore tout ça à faire. Continuons notre promenade et arrêtons-nous chez Henri Sier, chantre de la lumière et de la couleur de Provence, installé à Saint-Tropez dans les années 1970. C'est seulement en 1987 qu'il a ouvert sa galerie au pied du clocher. C'est cette même année que la Commission de la Culture choisira un de ses tableaux. Il fait maintenant partie du patrimoine communal de Saint-Tropez. Il n'a pas toujours été peintre. Après des études aux Beaux-Arts de Toulouse commencées à l'âge de 16 ans, il expose au Salon des Indépendants à Paris. À 28 ans, il se découvre une voix de baryton lyrique. Il travaille sa voix avec la grande chanteuse wagnerienne Germaine Lubin. Il chante les rôles titres de baryton, Les Noces de Figaro, Don Juan, Carmen, Faust, La Bohème, Manon et bien d'autres encore, sous la direction de chefs les plus prestigieux, Kubelik, Previtali, Plasson. Il chante aussi dans les cathédrales et donne des récitals avec son ami, le grand pianiste Yuri Boukov. Il a donné un grand moment d'émotion en chantant la Marseillaise du haut du balcon de la mairie de Saint-Tropez, devant plus d'un millier de personnes, pour une journée exceptionnelle, pour une fête exceptionnelle, celle du bicentenaire de la Révolution française. Spectacle inoubliable que celui de ces mille voix reprenant ensemble l'hymne national, alors que le baryton tropézien lâchait une colombe. Henri Sier n'a pas qu'une corde vocale à son art lyrique. Il est baryton et peintre, un peintre profond et puissant, aux émotions généreuses comme la texture de ses notes. Ses œuvres percutantes allient la force, la couleur, le contraste et la lumière. Sa peinture nous livre plus qu'une impression, c'est l'expression même du paysage, par la force et la puissance de son architecture, qui laisse éclater les rouges, les ocres, les jaunes, les bleus et les violets, comme des notes de musique bien appuyées. Ses toiles, parfois à la limite de l'abstraction, reposent sur une vision aiguë de la réalité et elles témoignent de toute la vivacité, la légèreté et la poésie de cette musique qui l'habite. J'ai, dit-il, besoin de trouver dans la musique et la peinture un refuge, un défi aussi, que rien dans la réalité ne peut remplacer. Que belle la cosa, la giornata al sole, l'aria serena dopo la tempesta, bell'aria fresca pare già una finestra. Che bella cosa la giornata sole. Ces quelques minutes préfigurent le début du documentaire en cours de montage à Saint-Tropez, les artisans aux mains d'or. Vous pourrez également aller à la rencontre dans ce film définitif de la boulangerie aux deux frères, de Régis artisan joaillier, du restaurant Le Bagatelle avec sa cuisine provençale,
de la pâtisserie chocolaterie Cavazza, de la boucherie charcuterie Thierry, du lavoir de la Garonne, blanchisserie et laverie, d'Eugénie, bazar et mercerie, sans oublier Jeff de la Ponte, le peintre sur bois flotté.